En Chine, le rôle des femmes a considérablement évolué depuis la fondation de la République populaire il y a 70 ans. D'avoir fait partie d'une classe sociale opprimée, les femmes sont désormais considérées comme des membres de la société qui soutiennent la moitié du ciel. Les femmes chinoises n'ont jamais bénéficié de développement aussi important de droits et d'espace comme aujourd'hui. Leur cause n'a jamais vu d'aussi brillante réalisation et l'avenir continue d'être prometteur. Depuis la première constitution de la République populaire de Chine, plus d'une centaine de lois et de politiques ont été mises en place pour faire progresser les droits des femmes dans des domaines tels que la politique, les soins de santé et l'éducation. La Fédération des femmes du pays a pris des mesures et mis en œuvre des réformes pour favoriser le développement intégral des femmes au pays. Quelques 8 000 nouvelles plateformes médiatiques ont récemment été mises sur pied et plus de 900 000 groupes WeChat ont été créés pour offrir de l'aide aux femmes à travers le pays, dans les domaines des affaires juridiques, matrimoniales, domestiques, etc. Avec ces avancées, les femmes chinoises jouent un rôle tout aussi important dans la société, aussi bien que n'importe quel homme. Le pays s'est concentré sur l'éducation et le bien-être des filles. Il y a 70 ans, le taux d'analphabétisme chez les filles en Chine était de 90 %. Aujourd'hui, le taux de scolarisation des filles est presque de 100 %. En raison du souci continu de la Chine pour l'éducation des filles, accompagné des lois, de règlements et de mesures appropriées, l'éducation des femmes a donné de grands résultats et nous continuerons à faire plus dans ce domaine. Maintenant, alors que le pays entre dans une nouvelle ère, il s'engage à faire encore plus pour les femmes.